J'ai toujours rêvé de faire ça. Bah oui, je défile. C'est moi qui commande et c'est moi qui dis quand le match commence. En même temps, rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, tous les people, ils défilent. C'est la tendance, tous des top modèles. Cette semaine, nous avons eu la chance de nous introduire dans les coulisses d'un défilé très particulier qui se déroulait dans une très chic boîte de nuit parisienne, le défilé des plus belles filles de la télé-réalité. Celles qui se sont mises à nu devant des caméras 24 heures sur 24 se sont retrouvées habillées, une fois n'est pas coutume. John David aussi était venu boiter son nez. Tiens, mais au fait, depuis son histoire avec la vieille Ivana Trump, il aurait pas envie de devenir gigolo? Non, c'est marrant, je joue un peu avec ça, mais... Allez, jusqu'au bout des choses, jamais de la vie, quoi. Il y en a des autres, des vieilles dames qui t'ont demandé comme ça de les accompagner? Ouais, mais à l'étranger. Comme ça, je passe inaperçu, c'est mieux. Donc, tu fais le gigolo à l'étranger, mais pas à Paris, alors? Voilà, je fais le gigolo en Suède, un truc comme ça, c'est génial. Quel petit malin, ce John David. Retour à la soirée Ah mais oui. Pourquoi Ah mais oui? Bah, regardez. Salut, tu t'appelles comment? Caroline, Secret Story, l'été 2008. Ah mais oui, bien sûr. Et Maïva, pareil, même saison. Ah mais oui, évidemment. J'ai participé cet été à Secret Story 2. D'accord. T'étais pas Alice? J'étais en couple avec un garçon qui s'appelait Mathias. Ah mais oui, Alice et Mathias. En faux couple en plus. Et elle, c'était pas Marilyn la voyante? Voilà, je suis Marilyn la médium. La médium, si je rentre en contact avec des esprits. Ah mais oui. Et celle-ci là, habillée en poisson? Morgane. Tu étais dans quoi, Morgane? Oh là là, chérie, c'est il y a longtemps. C'est une émission à l'époque qui s'appelait Les Colocataires. Ah mais oui. Ouais, c'est à peu près 5 ans, si t'en souviens pas, ça fait rien, je t'en veux pas. Bah évidemment qu'on s'en souvient pas. En même temps, c'est bien ces soirées souvenirs, ça entretient la mémoire. Donc maintenant, les filles se reconvertissent dans le défilé de mode. C'est pas gagné, hein, parce que c'est le principe dans la télé-réalité, on a toujours envie de se reconvertir. Moi, je vais quitter 2-3 photos et maintenant, j'ai continué mes études et des projets à venir. Bah, du moment que c'est pas des photos de téléphone portable, c'est pas si mal, c'est un bon début. Et voilà, beaucoup de projets télévisuels, parce que j'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui est médias. Bah oui, travailler dans la télé comme installateur de décodeurs, c'est bien, c'est ça l'avenir. Et la voyante, qu'est-ce qu'elle voit venir justement? Et bah pour moi, c'est la chanson, c'est un single en préparation, voilà. Tout ça. Ah oui, hein, tout ça. On est impatients d'écouter. Bon, en tout cas, pour la reconversion dans le défilé de mode, les filles y mettent vraiment du leur. Le mouvement de hanche qui va bien, mais surtout, tout est dans l'attitude et le positionnement ultra glamour des lèvres. Regardez bien. On saluera aussi la belle performance d'Alice de Marseille. Mais notre préférée définitivement, c'est Morgane, habillée en écaille de poisson. Elle avait un peu le trac, mais elle a trouvé le moyen de se donner du courage. Avant de venir, ouais, j'ai bu beaucoup de punch chez moi avec ma voisine que je salue. Énormément de punch, melon, fruit de la passion. Je suis arrivée, j'étais un peu raide, mais là ça va mieux. Et je veux du champagne, merde. Ben voilà, elle veut du champagne, Morgane. Elle n'a pas besoin d'avoir des ambitions artistiques démentes comme ses collègues. Un bon coup était dans le coup. Comme toutes les grandes mannequins qui se respectent, toutes les filles vont normalement repartir avec de fabuleux cadeaux, c'est ça? On repart avec des cadeaux, donc je pense avec une des tenues. En principe, un cadeau, tout à fait. Oui, SP Collection nous fait cadeau d'une tenue. Ah, on sent que t'es pas venu pour rien, toi. Hein. Elles repartent avec les fringues ou pas? Elles repartent avec quelques fringues, oui, sans problème. C'est prévu. Allez, fais-lui un bisou. SP Collection, merci. Pas de problème. Et Morgane, à votre avis, elle va repartir avec quoi? Après 4 ponches, 2 coupes de champagne. Sois Hélène. Non, je rigole. J'ai tenu debout. J'ai une partenaire d'enfer. Tant mieux. On s'équilibre parce que moi je suis complètement sobre. Ça va pas. On va pas repartir avec une bonne gueule de bois. C'était quoi les cadeaux? Oh, bah du gel douche. C'est vraiment cool les soirées télé-réalité.